Bonne santé. Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 décembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors ce soir, vous êtes conviés au lancement le plus improbable de toute l'histoire littéraire, sans doute. J'ai éteint toutes les lumières dans ma bibliothèque. J'ai allumé quelques chandelles. Et je me suis versé un verre de champagne. Que je bois à notre santé, ainsi qu'à la santé du divin marquis, mort il y a 200 ans. Aujourd'hui, ce soir, je lance ceci. L'exécution du testament de Sade par Jean-Marie Apostolidès. Lecture testamentaire. Je défends absolument que mon corps soit ouvert, sous quelque prétexte que ce puisse être. Je demande avec la plus vive insistance qu'il soit gardé 48 heures dans la chambre où je décéderai, placé dans une bière de bois qui ne sera clouée qu'au bout des 48 heures prescrites ci-dessus, à l'expiration desquelles la dite bière sera clouée. Pendant cet intervalle, il sera envoyé un express au sieur Lenormand, marchand de bois, boulevard de l'Égalité, numéro 101, à Versailles, pour le prier de venir lui-même, suivi d'une charrette, chercher mon corps pour être transporté sous escorte dans la dite charrette au bois de ma terre de la Malmaison, commune démancée, près Épernon, où je veux qu'il soit placé, sans aucune espèce de cérémonie, dans le premier taillis fourré qui se trouve à droite dans le dit bois, en y entrant du côté de l'ancien château par la grande allée qui le partage. La fosse pratiquée dans ce taillis sera ouverte par le fermier de la Malmaison, sous l'inspection de M. Lenormand, qui ne quittera mon corps qu'après l'avoir placé dans la dite fosse. Il pourra se faire accompagner dans cette cérémonie, s'il le veut, par ceux de mes parents ou amis qui, sans aucune espèce d'appareil, auront bien voulu me donner cette dernière marque d'attachement. La fosse, une fois recouverte, il sera semé dessus des glands, afin que, par la suite, le terrain de la dite fosse, se trouvant regarni, et le taillis se retrouvant fourré comme il l'était auparavant, les traces de ma tombe disparaissent de dessus la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes, excepté néanmoins du petit nombre de ceux qui ont bien voulu m'aimer jusqu'au dernier moment et dont j'emporte un bien doux souvenir au tombeau. Fait à Charenton-Saint-Maurice, en état de raison et de santé, ce 30 janvier 1806.
le 2 décembre 1959. Jean-Benoît exécuta le testament du marquis de Sade. On le sait, sa famille n'a pas voulu exécuter ses dernières volontés. On pourra aussi rappeler que Sade, dans ses dernières volontés, a voulu faire un dernier pied de nez à la religion chrétienne. Il a voulu des obsèques athées. Mais déjà, la famille, éprouvée par la très mauvaise réputation du marquis, s'est empressée de ne pas donner suite à ses dernières volontés. Afin de réparer ce geste d'oubli, Jean-Benoît, artiste québécois, lors d'une cérémonie où a été convié un tout petit nombre de gens, cérémonie qui avait lieu à l'appartement de la poète Joyce Mansour, à l'aide d'un fer rouge, il s'est marqué les initiales de Sade. Le peintre mata dans un moment de folie enthousiaste, dans un moment de folie communicative, en fit autant, redoublant ainsi la symbolique de ce geste réparateur, de ce geste de marquage qui resta à jamais marqué dans les annales du surréalisme. Et c'est ce que nous rencontre ce petit ouvrage publié à l'enseigne de la compagnie à numéro. C'est ce que nous raconte Jean-Marie Apostolides. Avons amoureusement confectionné ce petit ouvrage, tiré à un nombre très restreint, tiré à un tirage restreint. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, cet ouvrage-là sera enfin rendu public, pour le grand public, car je suis en train de négocier une réédition, une coédition. Je ne vais pas vous dévoiler tout le contenu de ce petit livre-là, dense, fouillé, savant, roboratif, ludique et instructif. Mais sachez que c'est l'un des beaux moments de ma mission d'éditeur que d'avoir publié un tel ouvrage. Que mon ami Jean-Marie soit ici remercié de la confiance qu'il m'a accordée et que vous soyez tous remerciés d'avoir assisté à ce lancement le plus invraisemblable probablement de toute l'histoire de la littérature. Un homme seul dans sa bibliothèque lançant ceci, et en plus, vous abusant dès le départ, en prétendant boire du champagne, ce n'en est pas, c'est plutôt de l'eau, du jus pétillant, jus de raisin, et pêche. Je vous montre la bouteille. Voilà. Car j'ai horreur de boire seul. Boire seul, c'est pour moi boire en mauvaise compagnie. Je suis un être dionysiaque. Le Minotaure n'aime que les fêtes où il y a de la danse, où il y a de la musique et où il y a des femmes aimantes et désirantes. Boire seul, pour moi, c'est le cauchemar absolu. J'ai bu deux fois dans ma vie, seul.
et j'y ai pleuré toutes les larmes de mon corps. La dernière fois, c'est en juillet 2006. J'étais tombé amoureux d'une jeune femme qui s'est refusée à moi car elle avait offert son corps à Jésus-Christ. Et ce n'était pas une plaisanterie. Et ce soir-là, Israël a bombardé le Liban. J'ai tant bu et j'ai tant pleuré que j'ai vidé à moi seul une bouteille de vodka. Et j'ai vidé également deux boîtes de Kleenex. Et le lendemain, à mon réveil, la table de cuisine était recouverte de Kleenex froissés, formant un petit tas, une montagne blanche, crispée, une montagne blanche givrée de mes larmes. Et ce que j'y ai aperçu lorsque j'ai croisé mon regard dans la glace, c'était celui d'un Bactracien. J'avais les yeux globuleux et injectés de sang. Décidément, pleurer ne me convient pas. Pleurer n'est pas mon fort. Pour conclure cette vidéo du 2 décembre 2014, soit 200 ans après le trépas de Marquis de Sade, soit 55 ans après cet acte de réparation, fait en l'honneur de sa mémoire bafouée, eh bien, je vous invite à vous procurer l'exemplaire qui a été tiré en petit nombre au coût de 20 $, une édition numérotée qui sera considérée dans un futur très lointain comme étant la première édition de cet ouvrage. Adring tout date. Merci, bonne soirée, vous connaissez la suite. Ceux qui écoutent cette vidéo, vous pourrez dire que vous avez assisté au lancement le plus incongru, je dirais presque, les livres ne réagissent pas. Seule la flamme vacillante d'une chandelle. Bonsoir et merci.